meilleur. Il voit quoi de mon restaurant, espèce de sale petit voyou. Je dois l'arrêter, coûte que coûte. Oh, ne m'approche plus jamais. Yar, 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 yar. Toi, tu m'as pas écouté. T'as vu comme j'ai battu cette machine? J'étais là. Je crois que j'ai le doigté magique. Oui. J'ai qu'à fermer les yeux et à penser comme elle. Ah oui, t'es le meilleur. Tu vois ce que je vois? Carlo, je ne pense pas que ce soit la même machine. Pense comme elle. Et attends, Carlo! Sois la pince. Ouais, ça marche! Ouais! T'es le meilleur! Pense comme elle. Sois la pince. Pense comme elle. Qui c'est, lui? Tu le connais? Ouais, c'est Carlo. Il a le doigté magique. Dring! Voilà! Carlo! Ouvre les yeux! Pense comme elle. Sois la pince. Attention, je ne peux plus m'arrêter. Pense comme elle, sois la pince. D'accord, pense pas comme elle, pense pas comme elle. Mais qu'est-ce que c'est? Bonne nuit, les amis, à très bientôt. J'ai cru que ces épaves ne partiraient jamais. C'est l'heure de la fermeture. Te voilà, belle petite assiette. Maintenant, tout le monde est propre et prêt à aller faire dodo. On ferme la boutique, Bob. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout est prêt, Capitaine Krabs. Encore une belle journée. Éponge, peux-tu m'expliquer ce que ça veut dire? Une tâche, tâche, tâche. C'est exact, une tâche. Tu connais le règlement. Personne quitte le travail jusqu'à... Que tout brille comme un sou neuf. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Je vais nettoyer cette assiette en un clin d'œil. Et surtout, tu fermes à clé, hein. Fermez à clé? Attendez, capitaine. Souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois que vous m'avez laissé seul. J'aurais jamais dû te laisser seul avec mon chalumeau et mes pattes à roulettes. Mais puisque j'ai enlevé tout le matériel à soudure du restaurant, il n'y a aucune chance que ça se produise à nouveau. Allez, retourne travailler. À vos ordres, capitaine. La 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 la. Non, tu es décidément une tâche rebelle. Je te déclare la guerre. Ne bouge pas, s'il te plaît. Dis bonne nuit, sale immondice. Tu vas voir ce que tu vas voir. Attention, feu! C'est la goutte qui fait déborder l'éponge. Et surtout, n'oublie jamais, c'est toi qui m'oblige à le faire. Je dois m'en débarrasser. J'ai bien peur que ce soit la dernière fois que nous nous voyons, cher ami. Permets-moi de te présenter Yu-Yu, le laser détachant 6000. Admire le rayon laser qui fonctionne grâce au micro-ondes. Admire le laser téléguidé canon à eau haute pression. Et admire la petite surprise que j'ai installée juste pour toi. Une boule tissée avec des fils en acier associés avec le nec plus ultra du matériel de nettoyage. Je l'appelle la paille de fer dans laquelle se trouve un laser. Quelque chose à dire? Je ne crois pas. Mise en route! Canon à eau activé! Pas de résultat? Laser paille de fer activé! Étrange lieu à l'ouest! Ça n'a sûrement rien à voir avec Bob! D'accord, tu l'auras voulu. Ça sera peut-être la fin de notre monde, mais je vais croiser les rayons. Super puissance!
tension moléculaire spontanée. Je crois que je ferais mieux que vérifier ce qui se passe. Puissance maximale. Oh, ça ne me dit rien qui va ici. Puissance extrême. Voyons quel dégât il a couru ici. Puissance extrême maximale. Cette fois, t'as dépassé les bornes. Qu'est-ce que t'as à dire pour te défoncer? L'assiette est propre, Capitaine Krabs. Oh, je vais te nettoyer autre chose. Tada! C'est le plus grand bateau en beauté qu'on ait jamais vu. La victoire nous tend les bras. C'est parfait, Monsieur Krabs. Vous avez une bonne expérience de compte fait. Nous allons remporter la victoire. Youhou! Et au fait, d'où vient tout ce bois? J'ai battu ton arbre. Ah, fantastique! Comment ça? Oula là! Espèce de crustacé misérable! Opportuniste pour rien! Je vais vous montrer un peu, moi! Vous allez voir de quel bois je me chauffe! Je vais commencer par vous faire ça. Après, je passe aux yeux. Mon travail, ma récompense. Eugène Krabs fait cavalier seul. Bisous, bisous, ma sandinette. Ça alors? Il sait s'y prendre pour se faire la malle, celui-là. Je vais récupérer mon bâton en bouteille, Krabs. On est parti pour une vieille course poursuite à pleine vitesse accompagnée d'un barbecue texan. Attention! Bébé! C'est prêt. Alors, qui a commandé? Oh! On a une terrasse. Chère formule secrète, tu es à moi! Peut-être ai-je sous-estimé l'épaisseur de ce coffre? Bon, ras-le-bol. Écoute-moi le coffre. Je te jure que je te viderai les entrailles, même si je dois t'arracher le blindage à main nue. Morceau par morceau. Molécule par molécule. Atome par atome. Oh oh. Oula. Le coffre-fort n'a certainement pas survécu à une telle explosion. Viens voir papa. Hé, Tigra. Comment tu veux que je me concentre quand tu tapes des pieds tout le temps? Non mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Je tiens la porte à une charmante dame. Eh ben non, pas du tout. Vous laissez des empreintes de doigts gras sur toute la vitre. Et maintenant, votre dévoué serviteur va devoir tout nettoyer. Pourquoi est-ce que tout le monde s'ingénie à me rendre le travail si difficile? Vous vous laissez toujours un tas de détritus sur la table. Et vous, avec vos dents qui s'entrechoquent. Et puis, il m'agace avec son chapeau. Et puis, vous qui restez trop longtemps aux toilettes. Attitude. Lève-toi, Bob. Tu pourrais arrêter de chanter cette chanson idiote. Qu'est-ce qui se passe, Carlo? Tu ne vis donc pas avec une attitude de gratitude? Alors écoute, Bob, je hais le travail que je fais et j'habite dans un affreux trou perdu à côté de voisins que je déteste. Je suis la personne la plus malheureuse de Bikini Bottom. Alors dis-moi de quoi je pourrais être reconnaissant? Ça pourrait être encore pire. Et comment est-ce que la vie à Bikini Bottom pourrait être pire qu'elle ne l'est déjà? Le volcan de Bikini Bottom entre en éruption. Il explose. Génial. Regardez le toit! Et alors, bande de mauviettes, on a peur d'un peu de lèvres? Ma caisse! Non!
au fait que cette abominable destruction cesse. Pardon d'interrompre vos pleurs, Monsieur Krabs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit sans toit où aller pour que la lave ne passe pas à travers? Cette fois, ça suffit. Dis-moi où tu l'as caché. Il a dû partir il y a 5 minutes. Sois gentil de laisser un message après le bip. Bip. D'accord. Au fait, Patrick, depuis quand as-tu 2 maisons? Je manquais d'espace pour ranger toutes mes affaires, alors... Ah oui, je vois. Bien. Depuis quand ta maison a-t-elle des pieds? C'est pour l'emporter en vacances. Bonjour, Sandy. Le bain de boue t'a fait énormément de bien. Tu es très propre. Bob doit voir un vrai médecin et le plus vite possible. Non, c'est inutile. Je m'occupe déjà de sa santé. Tu veux une preuve? Fais un... Tu vois, son état n'arrête pas d'empirer. Mais quelle menteuse! Pince à l'or, il a rien, hein? Je vais bien, Sandy, je t'assure. Ne discute pas, je t'emmène chez le médecin. C'est mon patient! Faudra que tu me passes sur le corps! Ne dis pas de bêtises, Patrick! Il est à moi! T'inquiète pas, Bob, tu seras bientôt guéri! C'est moi qui vais le sauver, enfin! Je vais déjà beaucoup mieux, merci! Attends, Ah, bravo! J'espère que tu es fier de toi! C'est la meilleure! Toi, allez bien jusqu'à ce que tu t'en mêles, ma grande! On devrait te jeter en prison pour exercice illégal de la médecine! Je suis un très bon docteur! Vas-y, Bob, dis-lui, toi! Ça va, Bob? Je veux pas m'arrêter! Oh, aidez-moi! J'aime quand ça bouille. Monsieur Krabs! Tire-toi, Bob! Arrête! Qu'est-ce qu'il a à rouler comme ça? Freine un peu! C'est bon, capitaine Très-Radin. Docteur négatif, vous pouvez sortir. Bon, alors voilà le topo. Vous nous avez ligotés au-dessus d'un bain d'huile bouillante. C'est bel et bien un crime. Délivrez-nous et après on se bat. Finalement, j'ai changé d'avis. On annule le combat. Qu'est-ce que tu fais? Je suis super méchant. C'est pas ce que vous vouliez. Alors, on a peur. Bouhou, bouhou. Bouhou, bouhou. Tu plaisantes, laisse-moi rire. Oh non, mon petit Bob. Je vais te laisser frire. Bon, ben voilà, Carlo. Bon, c'est bien amusé, mais l'atmosphère est devenue tendue. Quand je pense à toutes ces années que j'ai endurées avec 2 simplets comme vous, mais aujourd'hui, en tant que docteur négatif, je me délecte, je jubile parce que je tiens enfin ma revanche. Tu vois, je savais qu'il ferait un super méchant. Il est très convaincant. Ouais, t'as vraiment eu du flair pour le casting. Et c'est ainsi que va finir notre duo de doux crétins, frits comme 2 misérables pommes de terre sur des charbons ardents. Oh, balance-toi, déchaîne-toi, fais-moi chicoter ce panier. Oh là là, Monsieur Krabs, on s'est éclaté à jouer à l'homme sirène avec vous. Ouais, c'était sympa. Mais je vous préviens, la prochaine fois, on sera moins gentil. Dans ce cas, je crois que je vais me contenter de lire des BD. Ce sera moins risqué. Très bien. Plus de coups tordus, d'accord? Terminé. Et surtout que le meilleur gagne. S'il croit que je vais encore tomber dans le piège, il se trompe. Je ne suis pas dupe. Je suis pas né de la dernière pluie. Je vois bien la malice dans son regard. Il n'en croit pas un mot. Je sais. À la seconde où il me lâche la main... Je fonce au restaurant et je ferme la porte de clé.
L'argent! L'argent! J'ai une passion pour l'argent! Oh, c'est agréable de voir ses employés arriver en courant. Bravo! Dites donc, vous êtes en avance! Regardez, capitaine! C'est propre! Je nettoie les tables, monsieur Krabs! J'ai fait la vaisselle, capitaine! Qu'est-ce qui vous prend, messieurs? Ne vous inquiétez pas, ça va plus vite si je les lave avec le balai. Oh non! Des fleurs et du chocolat pour mon patron, chéri! Dites, ça vous dérange pas si je range mon argent dans votre caisse enregistreuse? Despatule afin d'augmenter le rendement! C'est chouette, non? Plus vite, mon bonhomme, plus vite! Moi aussi, je suis capable de jongler avec les pâtés, c'est enfantin! Avec mes 8 bras, je cuis 45 pâtés à la seconde! Allons, allons, vite du calme! Mais, arrêtez! Il pleut des pâtés de crabe. C'est incroyable! Attendez! Il faut payer pour manger! Roger! Bella! Non! Touche pas mes pâtés! Alors, qui c'est l'employé du mois? Monsieur Krabs, ils arrivent! Ne t'en fais pas, mon garçon, je les attends de pied ferme! Je vous ai donné votre liberté, maintenant à vous de me donner la recette du pâté de crabe! Ils ont réussi à passer! Mon restaurant! Oui! Maintenant que je suis le chef de toute cette bande de brutes, tu ne fais plus le poids contre moi, Krabs! Compagnon fugitif, apportez-moi la recette du pâté de crabe! Désolé, patron, on a cherché partout, mais on l'a pas trouvé! Est-ce que vous avez regardé dans le coffre? Eureka, ça y est! Plancton! Ne fais pas ça! Désolé, Krabs, rien ne peut m'arrêter maintenant. À part la police! Qu'est-ce que ça veut dire? Bob m'a prévenu que tu préparais une évasion. Alors j'ai pris la précaution de cacher tous les membres de la police de Bikini Bottom dans mon coffre. Allez, avance, Plancton! Retour à la casse-prison! Oh! Et là, fais attention où tu pointes ce truc, mon vieux. Tu avances et tu te tais. Merci, Bob, t'as fait du bon travail. La recette du pâté de crabe est toujours en sûreté. Et vous avez encore gagné. Ouais, je suis toujours gagnant. Faire la grève avec un bon copain, c'est ça la belle vie. Le discours de Carlo résonne encore dans ma tête. On dirait presque le cri d'une méduse en colère. C'est lui qui a raison. Je peux pas rester assis là, il faut que je passe à l'action. Je vais rendre aux travailleurs la dignité qu'ils ont hélas perdue. Pour cela, je vais démanteler l'établissement de l'oppresseur planche après planche. Je vais scier les tables de la tyrannie. Gloire à moi! Mordre dans les fondations de cet odieux commerce. C'est Carlo qui va être fier de moi. Tu es dur en affaires, quelle amère, mais c'est tout à ton honneur. Je suis content que vous ayez changé d'avis, monsieur Krabs. Je vais renvoyer ces gamins et ensuite on fêtera votre retour tous les trois. Ah, ça! À tout à l'heure! Tu es fou! Ça. J'ai fait exactement ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai démantelé l'odieux établissement. Le capitaine est forcé de me réengager. Éponge! Quelle merde!
Oui, monsieur Krabs. On a gagné. Afin de me rembourser les dommages et intérêts, vous deux, vous allez devoir travailler pour moi jusqu'à la fin de votre existence. Youhou ! La grève est finie, on a gagné. On va reprendre le travail, tu te rends compte ? On sera ensemble pour l'éternité. Une éternité plus tard...